sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Merci, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous dans la grande tribune de ce jeudi. Voilà, on a trois invités sur ce plateau. Nous allons débattre des questions d'actualité, aussi d'une question fondamentale. On se pose la question sur le train de vie des institutions. Budgétivore, pas budgétivore, là c'est aussi le débat. Comment réduire le train de vie des institutions? Premièrement, un an depuis que le Congo démocratique a adhéré à l'EAC. C'était fin février déjà que nous avions adhéré à l'EAC. Le moment de l'évaluation a peut-être sonné. On va essayer de d'essayer de parcourir un peu la seule année qu'a passé la RDC dans cette organisation. Alors, l'actualité reste dominée par ces nouvelles, notamment s'agissant de la force régionale qui se trouve à Goma. Nous demandons au président Tshisekedi si dans un délai raisonnable, la force régionale n'arrive pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'elle se complaise à aider nos ennemis, qu'ils prennent la décision qui s'impose. C'était Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse. Le président en exercice de l'EAC, Évariste Ndayishimiye, s'est entretenu au téléphone avec Emmanuel Macron sur les tensions entre Kinshasa et Kigali, entretien intervenu 5 jours après le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC axé sur la situation dans l'est de la RDC. Voilà, toujours dans l'Est, c'était hier, un véhicule de la MONUSCO qui brûle. La tension était donc vive dans la soirée du mardi passé entre la population qui bloquait un convoi de la MONUSCO qui se dirigeait vers Goma. Des morts signalées donc des deux côtés. Je l'ai dit aussi hier, parmi les grandes lignes d'actualité, Goma est sous tension depuis les débuts de la semaine. La CENI a fait un point de presse hier, annonce avoir enrôlé déjà 12 millions sous les 18 millions attendus dans la première ère opérationnelle. Il nous reste, hier c'était 10 jours qui restaient, aujourd'hui ça fait 9 jours qui restent sur les 25 supplémentaires accordés. Enfin, on fait toujours un retour dans l'Est, 8 morts et 28 blessés parmi les déplacés. Bilan de l'accrochage mardi à Kanyaruchinya entre les déplacés de guerre et le convoi de la MONUSCO. Donc il y a eu un affrontement entre la MONUSCO et les déplacés dans ce camp de déplacés de guerre. Voilà les grandes lignes d'actualité. Je suis avec trois invités de ce plateau avec qui nous allons débattre autour de l'actualité, après autour des sujets d'actualité. Monsieur Henri Tshibalanga, bonjour. Merci beaucoup de votre honneur, de votre présence, pardon, de l'honneur que vous nous faites d'être avec nous une nouvelle fois dans Congo, dans Grande Tribune. Merci beaucoup, Dan. C'est moi qui vous remercie plutôt parce que vous pensez souvent à nous. Vous nous donnez cette occasion de venir partager avec les compatriotes et pour essayer aussi de mettre la main à la pâte parce que je pense que ce sont les idées de tout un chacun qui finalement feront l'objet d'un, je peux dire, d'une banque de données hein, qui pourront servir à qui voudrait s'en servir aussi pour le besoin de la cause. Donc je suis la confrontation heureux. Des idées jaillissent la lumière. La lumière, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Henri. Vous êtes journaliste, vous n'avez pas de tendance politique. Il faut qu'on se la rappelle. Oui, vous savez, vous comme moi, on a appris à,
à observer la sacralité des faits. Ouais. On a appris à faire un effort. Tout à fait. Et observer aussi la liberté des commentaires, c'est-à-dire c'est un peu une petite discipline, mais qui est véritablement une ligne de conduite. D'accord, les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Sont libres. Merci beaucoup, Monsieur Henri, qui est un confrère, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur Freddy Moulumba, cadre de la FDCA, du professeur Modeste Bahati Wikobo, votre autorité de référence. Bonjour Maître Freddy, merci beaucoup. Mais c'est pas toi qui peux m'appeler Freddy Moulumba quand même, c'est Freddy Mamba. Ah voilà. Tu as perdu de vue mon nom. Donc c'est Freddy Mamba, je suis cadre de la FDCA. Excusez-moi, c'est les pédales. Je comprends. L'âge aussi. Et donc, tu es encore trop jeune pour parler de l'âge. Tu es encore trop jeune. Si toi tu parles de l'âge, mais nous allons dire quoi. Voilà. Non, il aurait dit peut-être que... Voilà, donc je comprends. C'est un lapsus, ça peut arriver. Et donc c'est Freddy Mamba, cadre de la FDCA, comme vous l'avez dit. C'est véritablement un réel plaisir pour moi de participer encore à nouveau à cette grande tribune, parce qu'il y a parfois beaucoup de zones d'ombre sur beaucoup des sujets d'actualité. Et je pense que nous allons faire en sorte qu'il y ait de l'éclaircie dans la grisaille au travers des échanges que nous allons avoir avec les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. Et j'aimerais aussi remercier en fait le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné les soufflets de vie. C'est par son amour que je me suis réveillé aujourd'hui. Et la Bible déclare dans 1 Jean 4, 16, que et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, c'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et j'espère que cet amour-là va nous accompagner, que ce soit même dans les débats que nous allons faire ici et dans tout ce que nous aurons à faire chaque fois dans notre train-train. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'aimerais aussi revenir sur un dossier, comme la fois passée, les mêmes dossiers, bien entendu. Il s'agit bien entendu des problèmes qu'il y a au niveau des... C'est important. Les problèmes qu'il y a au niveau des... J'en profite parce que je ne veux plus revenir sur ça. Je salue d'abord tout le monde. Ok, c'est bon. Je vais commencer par vous. Ok, c'est bon. Docteur Kankonde, c'est une première aussi d'être avec nous dans Grande Tribune. Merci beaucoup de votre présence. Prière de vous présenter votre obédience et aussi pour que le public puisse vous connaître davantage. Le public, il va vous découvrir, vous connaître. Merci. Bon, j'ai découvert chez Congo Besuit. Tout à fait. Et la première, je tiens d'abord à saluer le géniteur de cette chaîne. C'est un garçon dynamique, il a toujours mon estime. Donc, je l'ai dit, c'est comme une prophétie qui s'est réalisée depuis 4 ans que je l'ai rencontré. On a discuté, on était à Aldar pour ne pas faire sa publicité. Et il doit se rappeler de ce que je l'avais dit. Et la réalisation et son élévation, comme le pasteur Freddy venait de le dire, je peux confirmer que rien ne s'est fait par hasard. Donc, c'est un garçon qui a une... je parle de Bossembe, Christian, une certaine avance, bien qu'il y a beaucoup de jaloux au Congo, des jaloux intellectuels surtout. Hein, dans les intellectuels, il y a beaucoup de jaloux qui ne veulent pas que quelqu'un puisse décoller. Évoluer. Ils veulent qu'on puisse stagner. Mmh. Je profite de l'occasion. C'est de la mentalité africaine. Hein. Oui, non, c'est surtout congolaise. Congolaise, oui. Surtout congolaise. On est très mauvais, très méchants, les Congolais. Mmh. Ils ne veulent pas voir quelqu'un qui évolue ou quelqu'un qui va de l'autre côté. Christian Bossembe, vous avez mon appui. Je vous l'avais promis. Allez tout droit. Et félicitations pour de nouvelles fonctions. Je salue les co-débatteurs ici sur place. Bonjour frère Mamba, Freddy, le journaliste Henri, que je viens de découvrir. Et vous-même, hein, d'avoir pensé à nous. À vous, oui. Et je ne suis pas méconnu au grand public, mais un peu. Mais pour la première fois chez Congo Web, Congo Buzz, on va essayer d'apporter notre petite touche. Nous avons la possibilité, docteur Kankonda, président d'un parti politique, prenez-nous en charge, allié à l'UDPS, communicateur de l'Union Sacrée et le pari coché du chef de l'État. J'ai bien dit le pari coché du chef de l'État. Il n'y a qu'un seul pari coché. C'est-à-dire? Il est le pari coché du chef de l'État. Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Docteur Kankonde, pour votre premier pas ici chez nous à Congo Buzz, mais vous êtes un habitué des débats, des grands débats politiques. Merci beaucoup
Alors, monsieur Maître Fodi, je n'ai pas oublié quand même. Je commence avec vous. Vous aviez un sujet qui vous tenait à cœur, que vous souhaitez aussi. Ah, je vais vous donner aussi, il n'y a pas de problème. Allez-y, Maître Fodi. Oui, oui, mon sujet, c'est en rapport avec la situation alarmante au niveau des Congo Airways. J'aimerais encore dire qu'il y a péril dans la demeure. Vous savez vous-même que le président de la République avait donné des instructions pour qu'on puisse justement financer les plans de redressement de cette entreprise. Et donc, pour le moment, je suis en train de demander à ceux qui doivent exécuter de les faire au plus vite. Parce que il faut dire que pour le moment, les appareils n'arrivent pas à voler parce que tout simplement, il y a un appareil qui est tombé en panne, il y a l'autre qui est en tchèque. Et c'est lui qui était là comme ministre des Transports avant. Était trop préoccupé par la création d'une nouvelle entreprise, alors que nous savons tous que le président de la République, lui, a toujours dit que les saluts du peuple et la loi suprême. Et donc, je sais que dans sa vision, c'est de préserver d'abord les emplois que nous avons, et de telle sorte que même s'il faut créer d'autres entreprises, peut-être prochainement, mais que les emplois qui sont là soient d'abord préservés, comme il l'a fait au niveau des Transco. Il a racheté encore d'autres bus. Il peut le faire de même aussi au niveau de Congo Airways, qui a 800 agents, dont je crois 400 indirects et 400 directs. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est quand même important qu'on puisse préserver ces emplois-là, parce qu'avec l'ARC, vous savez vous-même que les agents de l'ARC ont réclamé pendant plusieurs années. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans le processus de liquidation. Et c'est quand même pas avec les chefs de l'État, notre Fatih Béton, que les agents de cette entreprise vont continuer à pleurer. Et je pense que nous avons affaire à un président qui est trop sensible, qui avait déjà d'ailleurs manifester sa volonté de faire en sorte que l'entreprise soit relancée. Il suffit tout simplement que ceux qui ont reçu des instructions appliquent ces instructions-là pour que, n'est-ce pas, ces agents-là puissent recouvrer quand même leur sourire, parce que l'année 2023 a été difficile pour ces agents. Ils connaissent vraiment des arriérés, beaucoup d'années d'arriérés des salaires, et je crois que le président de la République, c'est un homme, c'est un parent. Et il sait voir que c'est très difficile, et je pense que dans un délai le plus bref, il y aura des solutions appropriées à ces problèmes. Et j'en profite pour aussi saluer l'autorité morale de mon parti politique, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Voilà. Merci beaucoup, Maître Fodi. Je donne la parole à... Bon, je termine avec vous. Monsieur Henri, vous avez aussi une question d'actualité que vous souhaitez commenter. Bon, en tout cas, l'actualité de façon globale reste dominée par la situation en insécurité à l'Est. Je pense que, comme vous avez des sujets qu'on va débattre par le tour de table, je pense que je ne voudrais pas anticiper déjà, mais sinon, c'est vraiment ça. l'actualité, parce que ça va vraiment ça va très mal. Mais qu'il faille que le Congolais dans son ensemble se lève et oublie, parce que par moment le problème c'est que nous confondons certaines choses. Nous pensons défendre Félix, et pourtant c'est pas ça. Même lui, Félix, quand il s'adresse, par exemple, quand il s'adressait même à l'officier général de l'EAC, on l'a vu lui dire, il lui a dit quelque chose, il faudrait que le peuple congolais fasse attention. Quand il lui dit, mais vous risquez d'avoir des problèmes avec le peuple congolais, collaborez avec le peuple. Donc dans l'entendement de Félix, il s'agit d'une situation qui concerne le peuple congolais. Mais nous, à notre niveau en tant que peuple, devant une telle situation, on est toujours habité par les sentiments d'appartenance, soit de parti politique ou ainsi de suite. Et là, nous perdons ce qui est essentiel. Parce que le pays qui brûle, c'est pas le pays de Fatih, c'est pas le pays de son père, mais c'est le pays de tout Congolais. Vous voyez? Donc, c'est là où que nous, Congolais, nous sommes quelque part comme des gens qui n'ont pas ce sens-là élevé du patriotisme. Nous ne comprenons pas qu'il s'agit de notre pays. D'accord. Donc, je pense que c'est déjà dans les vifs du sujet. D'accord. Pour ne pas anticiper les choses. D'accord. Merci beaucoup. On attend le tour de table. Merci beaucoup. Monsieur Kankonde, docteur Kankonde, excusez-moi. Docteur Kankonde, un sujet aussi que vous souhaitez commenter. Mais oui, c'est un sujet, parce que vous avez parlé de l'actualité, comme monsieur le journaliste venait de le dire là. C'est un dossier
qui devrait la chronique depuis le 27 janvier. Ma modeste personne, avec mes avocats conseils, nous avions déposé une plainte au parquet près de la cour de cassation contre M. Mata Tampogno pour un parcours tortueux, entaché de beaucoup d'irrégularités à l'obtention de son diplôme de doctorat et son titre de professeur. Alors, nous attendons que le parquet près de la cour de cassation puisse faire la lumière là-dessus. Il faut vous rappeler que en 2015-2016, Mata Tampogno provenait de Lubumbashi. Il a fait la demande à l'université de Kinshasa où il devait terminer son cursus avec un mémoire. La chose qui lui a été refusée. Une année après, en 2016-2017, il est nommé premier ministre. Il est revenu à la même université pour essayer de faire des stages avec les cours de travail qu'il avait. Ça lui a été refusé. Il devait poursuivre aussi son cursus post-universitaire, ce qui ne lui a pas été permis. Mais il a fait quand même une pression aux autorités académiques d'un temps, jusqu'à ce qu'il a quitté l'UNIKIN pour aller continuer sa défense à l'UPC. Et là, nous savons aussi comment ça s'est passé. Alors, raison pour laquelle, après nos multiples recherches pour voir ce qui s'était passé, il y a même le professeur Mabi Mulumba et d'autres professeurs qui ont dû quitter l'académie parce que il y a eu beaucoup de tripatriage. Rappelez-vous que le 26 janvier 2017, M. Mata Tampogno va déposer sa mémoire pour l'examiner, hein, afin qu'il puisse venir pour défendre, pour l'obtention de son doctorat. Il dépose le 26 et le 27, il vient imposer pour qu'il puisse faire la défense. Donc, en bafouant, ça c'était la première entorse dans l'exercice de ce qui devait arriver. Et sans respecter ce que les lois régissant ce domaine-là ont prévu. Et il a... parce qu'il était l'homme fort de M. Kabila dans les temps. Okay. Il a essayé de faire la pression à tous les académiciens qui étaient là. Il y en a qui n'ont pas voulu continuer à assumer ce genre de fonctions. J'ai cité le professeur Mami Mulumba. Il y en a d'autres que dans la plainte qu'on a énumérée au parquet près de la Cour de cassation. Alors, nous demandons seulement... C'est combien de temps que vous avez déposé la plainte? Je dis, c'était le 27 janvier 2023. Et nous attendons que l'instruction puisse être faite. Et puis, nous serons convoqués. Parce que avec le preuve, avec tout ce qu'on a... Vous portez plainte en tant que... sous quelle casquette? Je suis d'abord congolais. J'ai le droit de porter plainte quand il y a un problème péril en mer. Ça, c'est la liberté. Raison pour laquelle nous sommes battus pendant plus de 37 ans, d'avoir la liberté d'expression. Et quelque chose, nous sommes les gardiens du temple. Quand quelqu'un qui a vocation à diriger la République, et qu'aujourd'hui, vous voyez, il est en train d'attaquer la Cour constitutionnelle, d'attaquer le ministre de l'Économie, alors que ces messieurs sulfureux, il veut devenir président de la République, il est challenger, je peux l'être aussi, mais à un certain moment, regardez aux États-Unis d'Amérique, les gens qui veulent des challengers respectent les attributs du pouvoir. Les attributs, c'est quoi? C'est la Constitution, c'est le pouvoir judiciaire, c'est la justice. Ouais. Et quand le monsieur insulte même la cour de cassation, insulte la Cour constitutionnelle qui est élevée aujourd'hui, je vais terminer par là, la Cour constitutionnelle aujourd'hui qui est dirigée par le professeur, le grand magistrat qui a plus de 25 ans à la matière derrière lui, M. Dieudonné Kamouleta, qui est élevé dans la Cour, première vice-présidence dans la Cour de juridiction de l'Afrique. C'est pour la toute première fois que notre Cour est reconnue. Et qu'un monsieur au niveau africain. C'est-à-dire qu'un individu comme ça qui vient insulter le juge de la Cour. Et au juge de la Cour, il y a des professeurs d'université. Mais qui est Mata Tampogno? Il est conseillé par qui? Il est conseillé par des individus comme M. Mampouya, qui était ministre, mais qui a fait le toll, qui est en prison. Aujourd'hui, il vient d'organiser une petite réunion à Lubumbashi avec deux, trois juges, qu'il est là même payé $800 pour qu'il puisse faire quoi? Discuter sur les arrêtés de la Cour constitutionnelle qui sont inattaquables. Alors, c'est un monsieur qui est sulfuré. Alors, nous demandons que la justice soit faite et qu'il respecte les institutions de la République. Nous parlons aussi de la Cour constitutionnelle qui est dirigée par deux professeurs
D'accord. Des gens comme Sylvain Lumu, un jeune très percutant qui a fait toute son carrière dans ces domaines-là. Très bien. Et les professeurs qui soutiennent la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, docteur. Et nous attendons que la Cour, le parquet près de la Cour de cassation puisse nous dire, ouvrir une enquête, parce que nous avons donné tous les éléments. Ce sont des enquêtes approfondies que nous avions amenées. Mm-hmm. Et M. Matata Tampogno, il doit faire le cursus normal. On n'a rien à voir avec lui, mais que son diplôme de doctorat puisse être retiré et puis quelque chose de sérieux commence. Merci beaucoup, docteur Kankonde, pour votre intervention. Premier sujet, rapidement, l'EAC, un an déjà, presque un an, l'heure de l'évaluation. On va quand même lire quelques objectifs, objectifs et principes de l'EAC, quelques-uns. Donnez-moi quelques minutes seulement, 2 minutes maximum. Les objectifs de la communauté sont de développer les politiques et des programmes visant à élargir, à approfondir pour leurs bénéfices mutuels la coopération entre les États membres dans les domaines de la politique, des économies, des affaires sociales et culturelles, de la recherche, de la technologie, de la défense, de la sécurité, des affaires juridiques et judiciaires, etc. Conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, les États membres s'engagent à établir entre eux et conformément aux dispositions du traité une union douanière, un marché commun, plus tard une union monétaire et à la fin une fédération politique afin de renforcer, de réglementer les relations industrielles, commerciales, culturelles, sociales et politiques des États membres, de même que les rapports dans les secteurs des infrastructures. Principe de l'EAC, la confiance mutuelle, la volonté politique et l'égalité souveraine. La coexistence pacifique et le bon voisinage, les règlements pacifiques des différends, la bonne gouvernance, y compris l'adhésion au principe de la démocratie, de la primauté de droit, de la responsabilité, de la transparence, de la justice sociale, de l'égalité des chances, etc., etc. Voilà quelques principes que j'ai voulu rappeler et objectifs de cette organisation régionale. Je commence avec vous. Vous avez venu de parler. Je commence avec M. Henry. M. Henry, un an après, quelle évaluation pouvez-vous faire de l'adhésion de la RDC à l'EAC? Un an après, c'est suffisamment un temps qui puisse nous amener à évaluer, d'autant plus que cette adhésion avait pour objectif le bénéfice de la sécurité à l'est de notre pays face à l'agression dont la RDC est victime pendant trop longtemps. Ouais. Et une année plus tard, le constat est vraiment malheureux parce que, souvenez-vous, quand les troupes de l'EAC arrivent, l'occupation, cette rébellion avait à son actif moins d'une dizaine de localités. Et aujourd'hui, malgré la présence de ces troupes-là, le M23, malheureusement, se retrouve à plus de 30 localités occupées. Et alors, je ne sais pas... Plus de 30. Oui. Et je ne sais pas si il y a lieu vraiment de parler d'un bilan positif par rapport à la présence de ces troupes-là. La preuve, d'ailleurs, même lui-même, le président de la République, quand ils se sont retrouvés à Bujumbura, il a manifesté son mécontentement et ça a été vu par tout le monde. Et il a effectivement raison parce que, vous savez, quand on adhère dans ce type d'accord, même notre constitution, en son article 215, stipule que dès la publication de ces accords-là par notre pays, ces accords-là prennent une autorité supérieure sur nos lois. Et dans l'article 217 de notre Constitution, au sujet toujours des accords internationaux, les traités de paix, ça sous-entend que nous cédons une partie de notre souveraineté. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des décisions qui ne sont plus prises seulement par l'autorité de la RDC, bien que concernant la RDC. Et à ce point-là, ça revient à constater que les choses ne marchent pas, d'où le ras-le-bol des populations qui sont directes, parce que tout Congolais
que ce soit ceux qui sont à l'Est et nous qui sommes ici à Kinshasa, on est tous victimes, soit directement sur le lieu ou soit indirectement. Donc, l'attente des Congolais par l'adhésion de la RDC à l'EAC, c'était que, comment dire, cette communauté vienne aider à ce qu'on résolve les questions d'insécurité dans cette partie. Absolument, on n'avait pas un autre objectif majeur. Parce que c'était ça, c'est ce qui nous a amené là-bas. Mais sinon, on allait chercher quoi là-bas? Parce que nous étions dans d'autres choses. Et maintenant, on est allé vers ces structures-là, croyant qu'ils viendront nous prêter main forte. Mmh. Mais bien au contraire, ce que nous vivons sur le terrain, les faits, nous amènent à dire qu'il n'y a pas de bilan. Contre toute attente, au contraire, ça ne fait que... La force a été déployée il y a à peine quelques mois. Mais quelques mois, ils avaient une feuille de route. Et si vous vous souvenez bien, la date butoir pour que le M23 se retire, c'était le 15 janvier. C'est déjà largement dépassé. Et la date passée, mais dans, disons, le délai expiré, et cette force régionale n'a pas réagi, n'a pas imposé la paix. Bien au contraire, la réunion de Bujumbura a comme conclusion, nous constatons le refus du M23 de sortir. D'accord, mais vous constatez, et alors? Parce que c'est depuis le 15 qu'il devrait constater. Et passer maintenant à la vitesse supérieure. Parce que quand quelqu'un vient occuper un pays qui du reste en est souverain, et que ces traités-là, c'est aussi dans l'objectif de faciliter l'unité africaine. Mais alors, vous venez... Pour ne rien faire. Pour ne rien faire, mais au contraire, vous devenez comme une barrière. Parce que maintenant... Vous savez, quand on signe des traités, il y a une petite conditionnalité. C'est-à-dire, pour que ces traités-là prennent la supériorité sur les lois de la République, il y a une conditionnalité qui voudrait que toutes les deux parties engagées, c'est-à-dire la RDC et tous ceux qui arrivent, chacun doit être dans l'exécution de ces accords-là. D'accord. Bon, maintenant, vous êtes venus. Les accords devaient vous amener à maîtriser cette rébellion-là. La solution serait qu'on se retire. Bon, moi je pense que ce serait aussi une solution. Pourquoi? On s'engage, on prend des engagements mais pour lesquels rien n'avance. La situation ne fait que s'empirer. Le Rwanda se comporte comme il le voudra. Quand les FARDC ont demandé à ce que les autorités ou les généraux de Rwandais qui se retrouvent parmi l'état-major de la force de l'EAC là-bas. Oui, oui, oui. Il devrait quitter le territoire congolais parce que naturellement, nous sommes en guerre contre Kagame. Mais l'EAC, à son tour, d'abord, exige que la partie congolaise vienne d'abord expliquer. C'est-à-dire, sous cette voie-là. Donc, si vous y allez et que vous ne les convainquez pas que ces gens-là partent, c'est-à-dire quoi? Ils restent. Souvenez-vous encore, quand William Ruto, il parle avec... le président Félix, il parle avec Kagame. Et au final, Ruto s'était permis de dire que Kagame est franc. Prenez cette phrase, si on doit la continuer. C'est-à-dire parmi les deux, selon lui, qui n'est pas franc? C'est lui qui est agressé, qui a besoin de cette intervention, de ses pairs africains, mais vous sortez de l'entretien de ces deux-là, vous dites que Kagame est franc. Donc c'était déjà très mal parti. C'était tout pour dire que ces gens ici, ou soit... Ils sont liés par leur nature en tant que des milotiques et ils se disent non, nous on ne peut pas se contredire pour ces bantous ici qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'on doit aller trop loin pour comprendre le pourquoi Kagame ne fait que bénéficier l'appui. Donc, bon, voyez, le président Félix qui se plaint auprès de ses compères et qui viennent sur le terrain et qui constatent. C'est pourquoi quand ils ont fait les deux protocoles, et de Nairobi et de Luanda. Bon, quand ils nous placent cette histoire-là de zone tampon, c'est bien bon. Mais tout en admettant que la rébellion reprenne les positions initiales. Mais ces positions-là, ce sont toujours des localités sur le territoire congolais. Donc, cette force régionale-là, selon moi, je ne trouve aucun fait qui puisse nous motiver à applaudir qu'on continue avec. Et puis qu'on se retire carrément de cette soupe. Je pense qu'il y a autre chose. Vous savez, Mouzé et Laurent Désiré, on peut toujours... Pour finir. Pour finir, on peut toujours
jeter un coup d'œil aussi dans le passé, parce que tout n'était pas noir. Quand nous étions agressés sous Laurent Désiré par l'Ouganda et le Rwanda, de la même manière, il a recouru à la SADC. Mais c'est la SADC qui a stoppé l'avancée de ces gens-là, jusqu'à ce qu'il en soit mort. On a eu l'armée zimbabwéenne qui était là, et l'armée namibienne. D'accord. Donc on peut abandonner tout le monde à ces gens-là et retourner quand même dans une autre organisation. Merci beaucoup. Maître Freddy Mwamba, un an après, votre lecture. Bon, avant de commencer à analyser ces un an, j'aimerais quand même revenir sur ce qu'il a dit, parce qu'il est très préoccupé. J'entends beaucoup de gens dire qu'il faudra que nous puissions nous focaliser sur la SADC, mais il faudra que les gens comprennent que nous sommes déjà dedans. La République démocratique du Congo ne s'est jamais retirée de la SADC. Et en aucune fois, la République démocratique du Congo n'a refusé que le pays de SADC vienne nous porter secours par rapport à la situation de sécurité dans la partie orientale de notre pays. Ça, il faudra que les gens les retiennent, parce qu'il n'y a même pas longtemps, il y a une rencontre de la SADC ici en République démocratique du Congo. Je crois que c'était même au Palais du Peuple où nous avons vu, les députés de la SADC se sont réunis. Il y avait notre président de l'Assemblée nationale qui était là, qui a dirigé toutes ces réunions qui étaient organisées ici. D'abord, il faudra que les gens retiennent que ça soit dans la SADC, nous faisons partie de cette organisation sous-régionale, nous faisons partie de la SADC, nous faisons partie également de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le problème qu'il y a, c'est lequel? Le problème qu'il y a, c'est que les gens aussi ignorent, c'est que dans une organisation internationale comme celle-là, l'emploi ou bien l'utilisation de la force a toujours été le processus d'utilisation de la force a toujours été poussif. Ça a toujours été poussif. Il y a toujours une certaine lourdeur, une certaine lenteur en ce qui concerne l'application de la force. Ce qui a même justifié, je vais vous donner, je crois, une illustration avec ce qui s'est passé au niveau de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Lorsqu'il fallait utiliser la force, les Nations Unies ont dû recourir à une résolution. En fait, c'était même une résolution sui generis, jamais prise dans l'histoire des Nations Unies. On avait envoyé la brigade d'intervention rapide en République démocratique du Congo. C'est cette brigade d'intervention rapide qui a permis à ce qu'on vienne à bout du M23. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que lorsqu'on adhère à ces organisations internationales, on comprend bien la population. La population considère que, en fait, toutes ces organisations, on constate une certaine atonie, une atonie effarante de toutes ces organisations. D'autant plus qu'il y a une réunion où on avait pris la résolution, on avait même accordé une deadline, là, parlé d'une date butoir, une date qui avait été accordée, la ligne rouge que les M23 ne devaient pas franchir, ils devaient se retirer, et vous comprenez, de telle sorte que cette force puisse en fait occuper. Il parle de Sabinho. Sabinho, l'affaire de Sabinho, c'est parce qu'il fallait d'abord qu'on procède par ce qu'on appelle l'identification. Parce qu'on ne peut pas dire au M23 de rentrer chez eux. Là, on n'aura pas résolu le problème. Mais il s'est prouvé qu'il y ait des Congolais parmi eux. Mais il faut résoudre le problème de ces Congolais. S'il y en a qui ont commis des crimes graves, que ces Congolais-là répondent de leurs actes, s'il y en a d'autres qu'on peut récupérer et qui peuvent réintégrer la vie sociale, ils réintègrent la vie sociale. C'est en fait l'essence qu'il faut donner à ces casernements-là. Donc, c'est-à-dire vous rentrez à Sabinho. On procède par l'identification des gens qui seront là-bas. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Celui qui n'est pas congolais, il rentre chez lui dans son pays. Il n'a pas le droit d'agresser la République démocratique du Congo. Quand on procède par force de l'EAC, la population est en porte-faux. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on puisse revoir les logiciels. C'est ce que je peux dire dans toutes ces organisations-là. Parce que je vais te donner un cas de figure. Tu sais que lorsque nous étions à l'université, au moment où Moutebousi avait pris, je ne sais pas moi, Bukavu, moi, j'étais encore à l'université. Nous avons marché contre la MONUSCO. La population était fâchée contre la MONUSCO. À l'époque, j'étais encore à l'université. On a marché contre... J'étais à Lubumbashi et nous sommes allés au Bel Air, où il y a les sièges, et pas au Bel Air, à Golf, au quartier Golf où il y a les sièges de la MONUSCO. Nous étions allés là-bas pour revendiquer au niveau de la MONUSCO. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette affaire. C'est pour vous dire qu'au niveau des Nations Unies, ils doivent réfléchir et se dire...
Lorsque nous voulons aller au chapitre 7, il faudrait que les populations puissent comprendre que quand on va utiliser la force, il faudra qu'il y ait vraiment des résultats palpables. Enfin, que enfin, les gens ressentent qu'il y a véritablement des résultats finir, sur le terrain. Pour finir à ce moment-là, oui. Pour finir avec vous, oui. Monsieur Maître Freddy, est-ce que le retrait, comme le suggère un bon nombre des compatriotes, le retrait de cette force de l'EAC, c'est aussi votre point de vue, votre suggestion? Ça peut être un début de solution. Que ces forces puissent partir, que la RDC se retire de l'EAC, c'est ce que la population de Goma cherche dans ces manifestations. Bon, vous savez pourquoi la population de Goma cherche à ce qu'on puisse se retirer de l'EAC? Parce que tout simplement, ils ont constaté que la force qui devait venir, n'est-ce pas, contraindre l'M23 à ne plus continuer avec leur entreprise funeste dans cette partie orientale, ne parvient pas à s'assumer. C'est comme ça que... Mais le problème qu'il y a aussi, avant que cette force-là puisse arriver en République démocratique du Congo, notamment les troupes kenyanes, il y a eu une très longue discussion entre le président Ruto et le secrétaire général des Nations Unies sur notamment, spécialement, le financement de ces troupes kenyanes qui allaient venir ici. Qui allait financer ces troupes kenyanes? Donc, on doit rester, mais on doit changer le logiciel. Donc, le problème qu'il y a, c'est lequel? Le problème qu'il y a, c'est que la population a besoin de voir des résultats palpables. Vous dites, vous venez parce que, quand ils avaient discuté, lorsque Ruto avait discuté avec le secrétaire général des Nations Unies, c'est qu'il avait effectivement réussi peut-être des assurances en rapport avec les financements pour qu'ils puissent décider à ce que ces troupes arrivent en République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Donc, en amont, ils savaient que peut-être ils allaient avoir facilement des financements. Le retrait n'est pas une solution. Mais pourquoi, pour le moment, jusque-là, ils n'arrivent pas à agir sur les terrains? Merci. La solution, en fait, doit venir de nous-mêmes. C'est pourquoi je suis contre tous les débats politiciens que nous faisons. Pour l'instant, nous ne sommes pas et autres. Pour le moment, concentrons-nous d'abord sur la sécurité de notre territoire. Merci beaucoup, Maître. Bien sûr qu'il y aura élection, ne refuse pas dans les délais constitutionnels parce que le président de la République a vraiment, insisté sur le fait qu'il y ait élection, qu'il y aura élection dans les délais constitutionnels, mais que dans le même temps, nous puissions comprendre que c'est une question de vie ou de mort, l'intégralité de notre territoire. Merci beaucoup, Maître Fédi Mamba. Docteur, votre point de vue, quelle lecture faites-vous? Un an après, que la RDC ait adhéré à l'IAC, quelle évaluation faites-vous? L'évaluation, je suis au regret de voir que ces forces qui avaient une vocation offensive, et de venir aider la population congolaise se sent une fois de plus flouée. Et les bas blessent à quel niveau? J'aurais bien voulu retourner un petit peu à ce que mon cher co-débatteur Henri a dit ici. Ils ont déjà occupé plus de 30 localités. Je ne sais pas quelle est la dernière fois qu'il est allé dans ces contrées-là, d'où il utilise des informations. Est-ce que ce sont des informations fiables, sorties d'une voie bonifiée? De tenter aussi d'une maîtrise en journalisme, une information doit être vérifiée et vérifiable, d'une source. Officielle, sûre. Je ne sais pas d'où il tire ça. Mais tout ce qui se passe aujourd'hui, la récupération de l'armée congolaise, personne ne parle de ça. Mais tout le monde est capable, facilement, de dire « M23, récupérer. » Mais c'est que l'armée congolaise, pas plus tard qu'hier, est en train de récupérer. Personne ne parle de ça. Est-ce que nous sommes vrais Congolais? Est-ce que nous sommes de vrais Congolais? Est-ce que nous faisons la promotion de qui? Je suis content d'être Congolais et de dire que Kagame, c'est un vampire. Kagame, c'est un tueur, c'est un sanguinaire. Lui, avec les autres, c'est... Et plus de 12 millions de Congolais qui sont morts, il n'y a aucun journaliste qui fait de la une là-dessus. Mais les gens vous disent, ils ont récupéré 30 localités, ils ont fait ça. Donc, on est en train de les encenser. Voilà une forte implication maléfique que nous, Congolais, on est en train de se faire. Je ferme la parenthèse. Il s'agit de faits. Il a parlé des faits qui sont sacrés. Est-ce que les sons sont sacrés? Est-ce que peut me déterminer, me prouver, noir sur blanc, que ce qu'ils viennent de confirmer, qu'on a récupéré, ils ont plus de 30 localités récupérées par le M23, est-ce que c'est vrai? Il ne peut pas le confirmer. Est-ce qu'il y a des sources bonifiées?
Je l'ai amené dans son domaine de prédilection parce que c'est un journaliste respectable. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas donner les éléments à nos gens qui viennent. Je vais vous répondre. Je n'ai pas peur. Il ne faut pas nous intimider. Non, non. Ici, on échange. On est... Mais j'ai dit qu'il ne faut pas nous intimider. Non. On échange sur les bases. Oui, oui. D'accord. Ne versez pas. Allez-y. Les faits sont sacrés. D'accord. Voilà. Allez-y. Alors, comme les faits sont sacrés, j'ai dit que ce n'est pas vrai ce que vous venez de dire. Vous pouvez réviser ce que vous dites. Il nous a parlé de l'article 215-217. Effectivement, la RDC a le droit d'avoir des accords. Et les accords qu'il a à avoir, c'est avec tous les pays où il veut. Nous sommes démocratiques, mais il a aussi le droit de refuser d'autres accords, de se retirer de d'autres accords. Ça, c'est une liberté. Donc, c'est comme l'adhésion dans un parti politique. Je salue votre autorité morale, l'homme que je respecte beaucoup, Bahati Lukwebo. Quand vous avez adhéré, vous avez aussi la liberté d'y quitter facilement. C'est juste un exemple que je donne. C'est-à-dire que la RDC aujourd'hui, dans les temps, c'était des rapports de commercial, des rapports rapprochés avec les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on peut dire que ce n'est pas les mêmes rapports. Dans les temps de Mobutu, on avait ces accords-là. On a vu dans ces PJL que Mobutu nous avait envoyés, je crois bien, et on pouvait aussi quitter. Aujourd'hui, nous sommes avec l'UEAC. Parce que la question nous est posée, qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, je dis qu'il y a un échec. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée que je dois applaudir. Non, il y a un échec cuisant. Est-ce que nous devons continuer à rester là-bas? Parce que depuis le temps que nous avons, nous sommes entrés, nous avons adhéré à l'IEC, et puis le temps que les forces de l'IEC viennent se déplacent chez nous, ils sont là, ça fait à peu près trois mois maintenant. Et la réunion qu'il y a eu à Bujumbura, c'est une évaluation pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'il nous a rappelé la date du 15 janvier où c'était la deadline où ces gens devaient rentrer. Ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce qui doit être fait? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce qu'ils parlent... Pourquoi les M23 rejettent toutes les résolutions des sommets des chefs d'État? Je vous dis que ce sont d'abord des vampires. Ce sont des sanguinaires. Pourquoi ils le refusent? Parce que l'M23, c'est l'armée rwandaise en miniature. L'M23, c'est... cherche cette... ces désordres pour pouvoir réalimenter leurs usines. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu leurs usines criminelles. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu. Je n'en disconviens pas, mais j'aimerais comprendre. Si ces résolutions ne sont pas susceptibles d'être appliquées, pourquoi est-ce que la RDC... Ça, c'est une autre question. Laissez-moi... Premièrement... Vous me coupez le fil d'idée. Allez, je termine d'abord. Ça, c'est une autre question très importante, mais pertinente, mais je vous réponds. D'accord. Quand le Qatar cherche à faire une réunion tripartite avec... le Rwanda. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont une société de raffinerie, une usine qu'ils ont construite là-bas et qu'ils ont financée, qu'aujourd'hui, ils ne savent pas avoir de raffinerie de l'or. Vous savez d'où vient l'or? Ils profitent de ces désordres, de ces contrées-là où on a installé on a mis... la raffinerie de... La raffinerie, non, c'est chez nous. On a installé l'état de siège, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alors, l'état de siège empêche maintenant que tous ces bandits viennent se produire chez nous, que le Rwanda, qui était un petit pays qui n'a pas de minerais, qui, depuis la nuit des temps, nous savons qu'ils se nourrissent des haricots, de ventre de vaches. Aujourd'hui, devine, il a la première usine de raffinerie d'or dans la région. Le fait qu'on a mis l'état de siège, ça les empêche. Il fallait maintenant qu'ils les réclament. Il fallait maintenant chercher une médiation, que le Qatar vienne, mais voilà, nous réclamons notre argent, mais l'or ne vient pas. Ok, nous, on ne vient pas là. Là, nous saluons le chef de l'État, le fait qu'il a refusé d'aller participer à ce genre de sommet. C'est ce qui crée maintenant une certaine frustration au chef de M23. Le chef de M23, c'est Kagame, tout le monde le sait. Alors, pour ce qui nous concerne, pour finir, parce que vous avez pris suffisamment de... Non, mais M. Freddy, Harry, il a pris beaucoup de temps. Vous étiez un peu large envers lui. Mais permettez que je chute quand même. Je n'ai rien contre lui, je l'aime bien. Il ne doit pas se sentir... Non, voilà. C'est ce qu'on essaie de voir. On essaie de réfléchir que, comme ils ne veulent pas rentrer, comme il y a eu l'évaluation, le chef de l'État était clair, direct, il a soulevé son index pour s'adresser à ses commandants et lui dit ceci, je répète. Vous n'êtes pas venu pour soutenir le M23, ça c'est. Ne cherchez pas le problème avec la population, c'est-à-dire le Congolais.
Vous savez pourquoi? Parce que le chef de l'État, il connaît bien son peuple. Il connaît bien le Congolais. Il dit que vous cherchez des problèmes. Et les problèmes de quel genre? Parce que ce monsieur-là peut être attaqué à tout moment. Qu'il pose la question aux gens de MONUSCO, qui en savent quelque chose. La population, si aujourd'hui, il se démène, ce monsieur-là, il va fuir. C'est pas parce qu'il est venu, il est plus grand que nos forces armées sur place. Mais parce qu'il y a eu un accord, qu'ils viennent pour mettre le corridor, pour permettre à M23 de faire quoi? De rentrer dans son pristine état, à l'endroit où ils étaient avant. Ce n'était pas qu'ils viennent pour secourir le M23, rester prendre le café avec. C'est juste important pour la population congolaise. C'est ainsi qu'ils parlent à ces commandants-là. Vous n'êtes pas venus chercher des problèmes, parce qu'on en a déjà assez. Donc vous êtes venus pour mettre la paix. Ils le parlent en présence du président de Ruto, qui est à côté, c'est transmis en direct, en temps réel, pour lui dire, ne venez pas nous chercher des problèmes, alors cherchez à ce que donner l'avantage à M23, qui est un mouvement terroriste d'origine rwandaise, dirigé par Kagame. Nous devons retirer de l'EAC. Je dis ceci pour ce qui me concerne. Je demande qu'on puisse y sortir le plus vite que possible. Et demande à ce que l'armée congolaise puisse faire le travail. Nous avons tout ce qu'il faut. D'accord. Nous avons des hommes, nous avons la confiance, nous avons le chef de l'État, parce qu'on dit... D'accord. C'est le chef qui est la tête, qui donne l'impulsion. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 2 milliards de dollars alloués à notre armée. Ça n'a jamais été le cas avant. D'accord. Mais avec tout ça, c'est ça la motivation. D'accord. C'est ça, avoir un homme qui vous encourage, un homme qui est derrière vous comme un coach, il vous dit, allez-y, vous pouvez le faire. Alors, pour ce qui nous concerne, moi j'ai demandé, je vais terminer par là, j'ai demandé sur une chaîne de la place que les autorités militaires sur place autorisent la manifestation pacifique. Si la manifestation est demandée encadrée, les gens ont le droit de manifester que de les empêcher. Ils doivent montrer à ces gens-là que vous n'êtes pas venus ici en tourisme, vous êtes venus pour travailler. Mais le fait que vous êtes là pour nous aider, nous sommes en train de mourir, il y a des gens qui sont en train d'être violés, mais vous venez ici, dans la calme, vous nous observez. Merci. Alors moi, j'ai demandé à ce que toute la lumière puisse être faite. D'accord. Sur les morts qu'il y a eu, je parle de part et d'autre, et la manifestation doit continuer. C'est pour dire, ce sont des messages que j'ai envoyés au chef de l'État. D'accord. Nous sommes avec toi, nous vous avons écouté. Merci. Continuez à faire votre travail. Merci beaucoup, docteur Tankonde. Je vais demander ce que nous puissions prendre 3 minutes chacun pour conclure sur cette question. Puis nous allons prendre le deuxième sujet. Nous n'avons que 1h20 pour les deux sujets. Alors, monsieur Henry, est-ce que le gouvernement congolais n'est-il pas devant, n'est-il pas dans l'enclume, en quelque sorte? Vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies qui parlait, comment dire, d'une MONUSCO qui a des armes sophistiquées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le fait que la population demande le départ de cette MONUSCO. Alors, ça demande à ce que finalement les FRDC... Pas une MONUSCO, les rebelles. Voilà. Les rebelles, plutôt, les armes sophistiquées. Et les terroristes du M23. D'une part, d'autre part, la population demande à ce que cette force de l'EAC puisse quitter le territoire congolais pour que l'armée congolaise puisse faire face à ces rebelles qui ont cette armée sophistiquée. Est-ce que ce n'est pas mettre le gouvernement congolais devant le marteau et l'enclume? Oui, Dan, vous le dites si bien, mais je réplique un peu à ce que le docteur a dit ici. D'abord, je dirais ceci. Il n'est pas tellement juste de penser... Vous avez 3 minutes. Oui, j'y vais trop vite. Que quand, par exemple, il y a une information faisant état de la prise ou de conquête par le M23, ce serait faire leur promotion. Non, ouais. Loin de là. Pourquoi? Je prends d'abord... en exergue le président de la République. En Suisse, quand une Rwandaise lui pose une question, et le président est clair, et en répondant à cette dame-là, le président est allé plus loin jusqu'à dire que mais ces gens-là, on signe des accords pendant que eux sont en train de continuer à renforcer encore des positions dans d'autres localités. Ça veut dire... Ce n'est pas 30 que vous avez... Un instant... Sortons d'abord du nombre. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Quand le président dit tout haut devant le monde que la rébellion continue à renforcer dans ses positions, qu'est-ce que ça veut dire?
Il veut seulement, il est en train d'accuser ou de mettre à nu l'hypocrisie et de toute cette communauté qui est censée faire respecter tout ce qu'ils ont signé de Nairobi à Luanda. Mmh. Et pendant que, en pratique, les rebelles sont en train que de progresser et ça ne doit pas être comme étant une signature qui n'a d'impact que sur la RDC. C'est-à-dire, le président n'a pas fait la promotion du M23. Mais il est en train d'accuser ce qui se passe sur terre. Bon, c'était juste pour vous répondre que il n'est pas question de promotion du M23. Non, nous devons être suffisamment informés. Parce que la Constitution garantit aussi le droit à l'information. Voilà. Quant aux données, nous avons actuellement, c'est ouvert, vous êtes politique. Ayez le temps de faire ce que nous appelons le monitoring, c'est-à-dire vous confronter plusieurs sources pour en dégager un peu les ressemblances des informations et vous allez comprendre que voilà, il y a du vrai ou il y a une fausse ou vraie information. C'était une page. Je voudrais maintenant revenir à la question. À la question. Si vous pouvez... Est-ce que ce n'est pas mettre le gouvernement devant les faits accomplis quand la population demande à ce que l'armée seule puisse affronter ces rebelles qui, entre guillemets, ont des armées sophistiquées? Est-ce que ce n'est pas mettre le gouvernement devant les faits accomplis? Bon, en principe, ce n'est pas du tout mauvais. Quelle est la mission des FARDC? D'abord, leur mission, c'est la défense du territoire national. Vous voyez, il est tout à fait logique. Parce que quand les autres forces sont arrivées, prenons la MONUSCO, plus de 20 ans. Et pour quelle solution? Il n'y a aucune solution. Et il lui fallait que la population congolaise, finalement, se révolte contre la MONUSCO pour que celle-là essaye un peu même de faire semblant de reconnaître que le Rwanda agresse la RDC. On reconnaît dans quelques termes et puis après on distrait et on nous terrorise. Ce sont eux qui nous ont intimidés, pas moi, en nous disant que de la bouche du secrétaire général des Nations Unies, que non, le M23 a des armes sophistiquées. C'est comme pour nous dire que si vous les attaquez, et ils vont vous massacrer. Vous comprenez que... Maintenant, quelle est l'utilité de cette organisation-là sur le sol congolais? Pendant que la MONUSCO elle-même, de par la bouche de son secrétaire, nous dit ça, officiellement. C'est comme pour dire que moi, je n'ai même pas la capacité de maîtriser cette rébellion. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Que fais-tu là? Partez, laissez-nous mourir avec nos FARDC. Si on va nous exterminer, qu'on s'en aille ici. Parce que vous êtes là, mais vous n'apportez aucune solution. Même avec la force régionale, ils sont venus. Mais n'oublions pas que, avant que cette force régionale ne vienne, mais déjà nous avions encore officiellement l'armée ougandaise sur le sol congolais, l'armée burundaise sur le sol congolais, qui n'ont toujours pas donné de solution. Et on superpose encore les mêmes armées à travers la force régionale. Ça devient donc des armées qui sont doublement présentes sur le sol congolais. Si je vous comprends bien. Et finalement, ça devient comme du poison. Et pour les faire repartir, ça risque de nous coûter encore trop cher. Et finalement, on risque de se trouver dans un labyrinthe où on avait vu par où nous sommes entrés, mais on ne sait plus par où sortir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, Maître Freddy a évoqué un problème qui était, était réel, le problème de financement. On va mettre tout ça sur le dos de la RDC, mais nous allons payer pour quel résultat? C'est encore un problème, donc nous allons avoir plusieurs problèmes et finalement, on n'a pas de résultat à escompter. S'ils ne sont pas en mesure de sécuriser le Congolais au terme des missions pour lesquelles ils sont venus, alors qu'ils partent. Les FARDC, je ne pense pas que le Rwanda, même dans son entièreté, là, vraiment peut exterminer les FARDC. Merci. Je doute très fort. Merci beaucoup. Je doute très fort. La solution, c'est que toutes les organisations MONUSCO et AC partent. Et la RDC, l'armée congolaise, affronte les rebelles du M23. C'est aussi votre point de vue. Bon, en fait, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir sur lui pour dire que mon frère des débatteurs qui est avec moi, Monsieur Henry a dit quelque chose ici. Il a dit que nous avons droit à l'information. On ne refuse pas, on a droit à l'information. Mais il faut voir ce que nos adversaires font. C'est-à-dire que nous sommes sur un autre front. Nous devons mener un autre front, c'est le front médiatique. Effectivement. Nous devons mener ces fronts médiatiques-là. On ne dit pas qu'il s'agit de cacher la vérité aux populations congolaises, mais il s'agit de voir
quelle information peut utilement aider les forces qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent mieux combattre avec assurance l'ennemi. Parce que, disons-nous la vérité, vous avez des troupes que nous avons déjà envoyées, nos forces armées qui sont sur le terrain. S'ils apprenaient, par exemple, que nous, comme nous passons aussi sur les chaînes télévision, nous disons, oui, localités sont tombées. Tu ne sais pas que ça peut jouer sur le moral même de nos troupes qui sont sur le terrain. C'est à ce titre-là que nous disons que lorsque vous suivez même le chaîne rwandaise ou soit ce qu'ils font dans les réseaux sociaux, vous ne verrez nulle part où ils mentionnent que les FARDC ont pris telle ou telle autre localité. Ils n'ont pas besoin de le dire. Alors que tout le monde est aussi, que ce soit même les Rwandais, ils ont aussi droit à l'information. Parce qu'en fait, ils disent que non, c'est pour leur sécurité qu'ils sont en République démocratique du Congo. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de suivre au pied de la lettre ce qui se passe ici. Ils sont en train de nous épier pour suivre ce qui se passe et comment les choses évoluent dans notre pays. C'est pourquoi nous disons, même quand nous passons à la télévision, nous devons savoir ce que nous devons dire. Quel dividende nous tirons si jamais on dit que on a tel territoire a été est tombé entre les mains par exemple, du M23 ou pas? Quel dividende nous tirons en divulguant une telle information? Moi, je ne pense que si ça ne dépendait que de moi, de telles informations, les populations congolaises n'ont pas besoin de ça. Donc, ça, c'est mon point de vue. Ils n'ont pas besoin de savoir que telle localité est tombée. Mais au contraire, les populations congolaises ont besoin de savoir qu'il y a une forte mobilisation. On a fait ça, notre armée a fait ceci, a fait ça, pour avancer. C'est ce qu'il y a. Moi, je pense que c'est ça qui est. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une communication qui est offensive. Nous devons mener une communication qui doit être à charge. Sans vous couper la parole. Une communication à charge, pas une communication à décharge. Du genre, tel est tombé, non pas du tout. Ces médias internationaux, chaque fois que les M23 font un mouvement, ce sont les premiers à balancer. Ces médias internationaux, je ne vais pas citer les noms ici, qui sont en train justement... Mais ces médias internationaux, moi je vais en citer. Il faudra... Vous pouvez me parler des RFI par exemple. Mais vous savez que la France a signé un accord de défense avec le Rwanda. Et nous sommes en train de les déplorer aussi. Vous avez suivi les sénateurs qui ont été interpellés par la compatriote. Ils en ont parlé. Il a dit clairement, sans mâcher les mots, qu'il y a eu un accord de défense entre la France et les... Donc la France est derrière le Rwanda. Vous savez vous-même, l'Union européenne est en train de financer le Rwanda chaque fois ici. On vous parle d'environ 20 millions de dollars qu'on utilise pour financer l'armée rwandaise. La France, là aussi, les informations qu'on nous donne, par exemple, au niveau des RFI, ce sont des en faveur de la France, des intérêts français. C'est pourquoi je dis que nous devons faire la part des choses. Même nous aussi, s'il y a une information que nous devons diffuser, ça va être en faveur de nos intérêts. Ce que vous dites est important parce que les autorités nous suivent, notamment ceux qui sont censés gérer les médias. C'est comme ça que j'ai salué en fait la mesure qui a été prise par mon ami Christian Bossembe, qui a pris pour interdire que au niveau des canaux, on puisse briller les chaînes rwandaises. Parce qu'ils racontent des histoires invraisemblables dans leur chaîne de télévision. D'accord. Vous comprenez? Et donc, je pense que nous devons avoir une attitude de guerre à tout point de vue. Ça c'est mon idée. Parce que nous sommes agressés par le Rwanda. Et la guerre que nous sommes en train de mener, les gens ne comprennent pas. Il y en a qui disent, en Ukraine, lorsque vous regardez en Ukraine, est-ce que la solution, la réalité qui se passe en Ukraine... Ce que le peuple demande, c'est que l'armée de l'EAC quitte la RDC, la MONUSCO aussi quitte la RDC, et que l'armée congolaise seule fasse front ou attaque les M23, que nous nous battions seuls face à ces M23. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, mais moi je suis d'entrée. Si le président de la République est allé adhérer à l'EAC pour que l'EAC puisse nous aider, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une première. Les gens considèrent cela comme étant une faiblesse. Non, c'est pas une faiblesse. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que l'Ukraine était un pays faible. L'Ukraine avait, c'est parmi les pays qui avaient une armée très forte. Mais pourquoi aujourd'hui l'Ukraine est en train de solliciter? Et pourtant, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Ils ne sont ni membres de l'OTAN, ni membres de l'Union européenne. Mais pourquoi ils bénéficient en bilatéral des aides de tel ou tel autre État pour faire face
pour faire face, par exemple, à la Russie. Nous allons dire que l'Ukraine est très faible. Non, l'Ukraine n'est pas très faible. D'accord. Parce que la guerre, on ne la gagne pas tout seul. On doit prendre le deuxième sujet. On a aussi besoin des aides des autres personnes. D'accord. C'est comme ça que le président de la République avait estimé qu'il peut courir à un certain... dans le cadre des organisations sous-régionales auxquelles nous avons adhéré, nous pouvons bénéficier aussi, parce que vous avez parlé du règlement pacifique. Oui, on doit, ça fait partie des principes qui sont, en fait, qui régentent cette organisation, le règlement pacifique des conflits. On dit que les sangs puissent couler. Merci. Autant procéder au règlement pacifique. Et bon, s'ils ne le font pas, on procède par la force. Merci donc, beaucoup. Que les gens comprennent que l'État congolais n'a pas négligé notre armée. D'accord. On n'a aucunement négligé notre armée. Nous sommes en train de nous battre contre toutes ces grandes puissances. Nous ne les cesserons jamais de le dire. Et le pape l'a dit clairement. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. On doit prendre le deuxième sujet. Nous avons affaire à un ennemi qui est très complexe. Ça, il faudra que les gens puissent le retenir. On risque de ne pas aborder le deuxième sujet. Il ne reste pas beaucoup de temps. Oh, c'est un sujet aussi important. Docteur, je vous donne la parole aussi rapidement. 3 minutes aussi. Est-ce que la solution ultime, c'est que nous fassions nous-mêmes, Congolais, face à ces M23 ? On ne tienne plus, qu'on ne compte plus sur l'aide extérieure. C'est ça la solution, selon vous. Je sais qu'il y a un principe qui dit qu'aide-toi, l'échelle t'aidera. Et je tiens d'abord à féliciter, c'est vrai que Freddy m'a pris ça dans ma bouche, le féliciter le CESAC, l'organe de régularisation de tout ça. Monsieur Boussembe, félicitations pour le courage d'avoir brouillé ces chaînes satellitaires qui dispensent des abominations, des informations contradictoires qui n'aident pas le peuple congolais, alors que chez eux, ils n'écoutent ni Congo Buzz, ni une autre chaîne. Félicitations pour ça, pour ce courage-là. Et nous allons continuer. Et je vais encore le saluer. Et il faudra que chaque acteur politique, journaliste congolais, d'abord que nous sommes, devons faire attention de ce que nous distribuons comme information. Toute vérité n'est pas bonne à dire, quelqu'un l'a dit. Ce n'est pas une façon de nous museler, mais c'est une façon de dire que ce que nous disons, est-ce que de l'autre côté, ils le prennent de quelle manière? Parce que nous faisons la promotion d'un 23 ici. Quand quelqu'un dit, voilà, ils ont pris 20 ou 30 localités, même 3 localités, mais pourquoi il ne dit pas que la FARDC venait de reconquérir quelques 5 villages? Et nous sommes contents, nous félicitons le chef de l'État parce que c'est lui le commandant suprême des forces armées, le journal Chiwewe et le journal Kasonga, qui sont des spécialistes à la matière. Et puis condamner vivement, avec véhémence, ce qui se passe de l'autre côté. Mais ici, c'est une armée terroriste que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, consciencieusement ou inconsciencieusement, nous faisons la promotion. Voilà, M23 Bazouaki, et ils ont fait ça. Alors, ça ne serait une réduite. Une petite parenthèse aussi sur les médias internationaux qui ont un large réseau, qui sont vraiment implantés dans presque toutes les localités, tout le pays, ils sont là, ils ont des correspondants, ils ont des moyens, ils ont une grande force. Et quand il y a l'info, c'est eux qui ont les premiers à avoir les informations. Et c'est eux qui partagent les informations facilement. Et parfois, les médias congolais n'ont pas assez de sources d'informations. Nous prenons que ce qu'eux donnent, nous relayons. Maître Freddy a dit tantôt qu'il dit généralement, ils sont en train de plus soutenir le Rwanda au détriment de la RDC. La solution serait quoi sur cette guerre médiatique? Est-ce qu'il faut bloquer ces médias ou bien il faut restreindre leur capacité d'information sur le territoire national? La solution, c'est Christian Boussembe. Qu'est-ce que vous voulez? La solution, c'est Boussembe. Il est là, il a une lourde mission de faire réguler ce système-là. Quand j'ai dit Boussembe, c'est lui le représentant. Et c'est ça qu'aujourd'hui, il doit faire des stratégies, avoir des stratégies avec tous les journalistes de ce secteur-là. Nous devons faire bloc. On ne peut pas se dire aujourd'hui, dans un moment de crise, que non, moi je suis journaliste d'opposition, moi je suis journaliste de pouvoir, ainsi de suite, parce qu'il y a péril en demeure. Il s'agit de la RDC. Et c'est ça que la lourde mission que vous pouvez ou ne pas l'aimer. Mais c'est quelqu'un qui a une lourde mission qu'il doit accomplir. Et il ne peut pas l'accomplir seul. Il a besoin de nous, il a besoin de vous, il a besoin de tout le monde. Tout le monde, oui. Tout le monde, que ce soit les juristes, que ce soit les acteurs politiques, on a besoin de le soutenir parce que, comme ils ont fait bloc, et ce n'est pas d'aujourd'hui, parce que, comme Maître Freddy venait vous dire que la France venait de signer un accord de défense avec le Rwanda, donc tout ça, c'est même leur éditorial s'est fixé sur ça pour essayer de les aider. Alors de l'autre côté, quel est l'éditorial des Congolais, des journalistes congolais? On n'est même pas financé. Non, de bon, ce n'est pas d'être financé. Comment est-ce qu'on va... Il y en a qui sont mal financés. Il y en a qu'on voit ramasser des miettes à Kachobo là-bas. Ils sont financés.
Il y en a qui sont financés, qui sont dans des officines. Nous les connaissons. Okay. Alors, est-ce qu'à un certain moment, on peut se ressaisir? On peut se dire d'abord qu'on est Congolais? Parce qu'on est en train de s'entretuer inutilement. C'est ça la faiblesse. C'est ça la bassesse. Alors, si nous disons, d'abord nous sommes Français, exemple, ou bien nous sommes Congolais, alors d'abord le patriotisme, même dans les petits manuels du journalisme. 2030, s'il vous plaît. Mais oui, mais écoutez, vous me posez une question. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'Ukraine n'a pas encore acquis son indépendance. Mais, parce qu'il l'a dit, ils sont soutenus par l'OTAN et d'autres pays. Mais l'Ukraine n'a pas l'indépendance. Ce sont des pays des Balkans, avec la Pologne et d'autres pays. Mais aujourd'hui, vous savez ce qui se passe? Mais bien qu'ils sont en guerre, mais ils sont en train de faire des accords commerciaux. Ils sont de l'autre côté avec la Russie, qui concerne le gaz, qui concerne le farine de fromage, ainsi de suite. Ils sont en train de faire ça. Alors, pour répondre à votre question, moi je demande sincèrement, afin que nous puissions quitter ces USA. Et c'est la demande de tout le monde. Quand j'ai demandé à ce que les autorités sur place puissent se permettre à la manifestation de se faire normalement, c'est une manifestation pacifique. Ça fait partie de nous. Nous avons fait plus de 37 ans, 38 ans pour réclamer que les gens puissent s'exprimer normalement. Les gens, c'est pour appuyer le chef de l'État, appuyer l'armée sur place. Notre armée doit se sentir adulée, doit se sentir secourue. Ils disent que, parce que le chef de l'État dit à ces gens-là, collaborer avec la population. Bien sûr. Alors maintenant que la population vient pour appuyer, soutenir notre armée, on leur dit de ne pas le faire, là il y a un souci. Alors nous demandons à ce que notre armée puisse être soutenue. Nous soutenons notre armée, nous avons besoin d'eux. Ce sont des vaillants soldats, ce sont des vaillants combattants. Et ils peuvent faire quelque chose, ils ont déjà démontré à plusieurs reprises. Oui. Mais je termine en disant, toutes ces armées-là, le Rwanda, l'Ouganda, les Burundi, toutes leurs armées, mes officiers militaires, étaient formés à l'EFO Kananga ici. Nous avons l'expertise en la matière. D'accord, docteur. Merci beaucoup. La régie, malheureusement, les temps filent un peu trop vite. Je pense que nous allons certainement reprendre le deuxième sujet demain parce que les temps qui nous restent ici, on ne saura pas aborder en long et large. Le deuxième sujet. Je pense qu'on doit finalement conclure sur ce premier sujet. Nous demandons à ce téléspectateur de nous prendre demain sur le deuxième sujet. On y reviendra en long et en large. Monsieur Henri, pour conclure, finalement, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir, population qui meurt à l'est dans Goma, qui manifeste, Goma est en feu depuis le début de la semaine, des manifestations très violentes, pillages parfois. Ils nous regardent, ils nous suivent, parfois ils commentent aussi nos émissions. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cette situation, de cette guerre? Il est vrai que la situation est trop complexe. Et par moments, je me dis, bon, aujourd'hui, Goma est sous menace d'asphyxie. Parce que les forces de la République ont contre-attaqué sur l'axe de Sake pour éviter à ce que les M23 ne coupent cet axe-là. Sinon, Goma en sera asphyxié. Maintenant, le peuple congolais, en ce moment, ne doit pas être distrait parce que le danger est en train de venir et qui demanderait que le peuple soit uni, de loin ou de près. Et quelque part là où, pourquoi je parle de la complexité de la situation, c'est par rapport à l'information ou à la situation qui se passe là-bas que le peuple congolais, étant informé, détermine la position à prendre, que d'attendre le danger à la porte, quand est-ce que le peuple va s'organiser. Donc, quelque part, on ne doit pas seulement prendre d'un mauvais angle. C'est pourquoi j'ai recouru même au président de la République quand il répond à cette Rwandaise-là. Il évoque la progression du M23. Il n'en fait pas la promotion. Et il est en train de dire que vous êtes là, on signe, on manifeste cette bonne foi-là pour vivre en paix avec tout le monde. Mais quand il progresse là, qu'est-ce que vous faites, vous, qui êtes censé intervenir? Parce que nous sommes un État. Mais vous voulez qu'un État aille coopérer avec un groupe comme ça. Vous voyez, c'est tout ça, toute cette logique-là. Depuis les États-Unis là-bas, et ils sont dans cette logique, et le président n'en veut pas. Les premières réunions de Nairobi, il avait écourté même la réunion, parce que ces gens-là avaient cette logique-là. Il a dit, mais comment? Moi, un État, je dois maintenant négocier avec eux. Il était sorti. Donc, nous devons plus comprendre les gestes et les faits
du président de la République. Merci beaucoup, monsieur Henri. Je prends aussi rapidement 2 minutes, monsieur Maître Freddy. On va conclure avec le docteur aussi. Maître Freddy, en 2 minutes, qu'est-ce que la population de Goma peut avoir de votre part comme dernier message? Quel est le message que vous pouvez adresser à la population de Goma et toute la population congolaise en général? Moi, ce que je peux dire à la population de Goma, parce que je suis un jeune de l'Est en train de dire s'il faut qu'on considère que nous ne faisons plus partie de la République démocratique du Congo, il était parti sur une chaîne de télévision, qu'on coupe seulement, comme ça, sinon on va foutre au Rwanda si on veut faire des dinamiques. Ça, c'est une mauvaise façon de communiquer. Ici, à Kinshasa, les gens ne sont pas indifférents par rapport à ce qui se passe dans la partie orientale. C'est pour ça, d'où l'essence même de ces débats que nous faisons sur ces plateaux. C'est que nous sommes des cœurs avec nos frères qui sont dans la partie orientale de notre pays. Tout Congolais partout, il se retrouve, que ce soit un Congolais, même s'il y en a qui passent dans des débats et qui disent autre chose, mais au moins dans notre fin fond, dans le fond de nos cœurs, nous savons que nous sommes animés par ces soucis de voir que la restauration, de voir la paix être rétablie dans la partie orientale de notre pays. Ouais. Nous sommes avec eux, nous les accompagnons dans toutes les actions qu'ils font. Si le président de la République a interpellé les commandants, parce qu'il y en a eu qui ont critiqué, qui ont dit, mais comment le président peut se plaindre devant un commandant, alors que son chef, mais il l'a fait en présence de Ruto. Ruto était présent lorsque le président était en train de parler. Ruto était présent, il a écouté ce que le président de la République disait à ses commandants. C'est pour dire à ses commandants quoi? Ne soyez pas étonnés si jamais on tire les conséquences du droit de votre passivité sur le terrain. C'était ça le message. Communiquez avec les populations, parce que je vous ai dit, je crois, à l'amorce de cette émission, quelque chose de très important, qui est le salut du peuple est la loi suprême pour le président de la République. Merci beaucoup, M. Freddy. C'est pourquoi il a dit à ses commandants, écoute ce que la population dit. D'accord. Que demande le peuple? Merci beaucoup. Le peuple demande que vous puissiez agir, aller au front. Merci. Si vous ne faites rien, vous faites quoi? Vous vous retirez, c'est tout. C'est le message est clair. Ce que je veux dire en deux mots, c'est le peuple congolais, tous nos frères qui sont à l'est de la République, ne pensez pas que nous sommes indifférents. Nous y travaillons, nous sommes d'accord avec vous, raison pour laquelle nous faisons ces émissions, pour dire, tenez bon, nous resterons toujours unis. Dans toutes nos prières, le chef de l'État ne vous a jamais oublié. Nous allons continuer à mettre et bouter dehors tous ces terroristes, commencer par M. Kagame, le sanguinaire Hitler du XXIe siècle, et la RDC restera un et indivisible. Pas besoin d'aller ailleurs, nous avons un pays qui est adulé, qui est envié partout. Je ne me vois pas aller vivre ailleurs qu'à RDC. Et tous ces bateaux, il y a Chumba, il y a Goma, bateaux, il y a Bukavu, bateaux, il y a Est République, Tubaki et Pamoya, soutenons-nous, main dans la main et soutenons la prière. Merci beaucoup, docteur, de votre participation à Grande Tribune, une première. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Maître Freddy aussi. Merci, Dan. De votre participation. Merci. Merci aussi à Monsieur Henri. Je vous en prie, Dan, et merci aussi à tous les co-débatteurs. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain pour clôturer la semaine. On est des cœurs avec vous qui êtes à Goma. Toute la RDC vous porte à cœur. Portez-vous bien et que la paix soit rétablie dans tout le pays. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Regeni, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.